vient ouvrir l'étape. Vous mettez les choix en pétard, putain de merde. Vous êtes nul à chier, putain. Vous avez envie de rien faire, frère. Vous avez envie de rien faire. Mangez les maillots, putain. C'est pas possible. On a cadré trois tirs. On va finir quatrième, frère. On a rien montré, tout le monde est à chier. Personne n'est à sortir du lot. Franchement, mais regardez-vous. Les Palertis, mais va te faire foutre. Heureusement qu'il y avait Paul Lopez ce soir. Innocent, putain. Non, mais franchement, putain. On va falloir tout changer. Tout changer, putain. Tout. L'entraîneur, il dégage. Tu dors haut. Tu fais quoi? Frère. Ton premier remplacement, il est à la 80e. Ton équipe, elle perd, elle se cague dessus depuis la première minute de jeu. Et qu'est-ce que tu trouves de mieux à faire que de les laisser jouer et de les regarder? Je sais pas. Les Pistons, ils sont de la chine. Klaus, mais c'est... Frère, je sais pas ce qu'il a, wesh. Il n'arrive pas à faire un putain de centre entre lui et le enculé là, qui lâche pas sa balle, qui fait même ce qu'il croit au cirque. Et si on n'est pas au QG, putain, et si on mouille le maillot, on te dégage. Je sais pas ce qui manque, putain, mais... Changez, franchement. Je préfère, mis à part qu'il y a Sanchez, Rongier, Paul Lopez, Kolasinac qui était bon, le reste... Mais mettez-moi les minots! J'ai juré que les minots, ils se battront plus que ces chèvres-là! Ils se battent pas! Ils s'en battent les couilles! Guendouzi! Il est parti cueillir des champignons! C'est trop! Aucune idée de jeu! Rien! Trois tirs cadrés lors de tout le match, ce n'est tout simplement pas possible! Y'a rien! Eh les gars, on joue pas à l'impasse à 10, bordel de merde! Là, vous savez bien là ce que vous me donnez? La haine, vous nous foutez la haine, putain! Franchement, c'est scandaleux! Et tu veux aller en Champions League? Non, mes frères, franchement! Regardez-vous jouer avant de penser à quelque chose! La seconde place? Jamais! On va finir quatrième! Alors oui, tous les deux ans, c'est la merde. Mais là, le jeu, comment il pète au tout début? Tarparon, et là, il est à caguer, frère. À caguer, oui. Franchement, c'est trop. Vous musez. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu des fois pour subir ça. C'est trop. C'est beaucoup trop. Aucune envie. Ça mouille pas le maillot. Ça donne pas de proposition. Franchement, c'est honteux. Prochain match, si jamais on ne le gagne pas, bah alors là, on est la risée. Du monde entier. Parce que 3, ils sont nuls à chier. Nuls. Donc là, ça serait vraiment trop. Et on laisse encore échapper des points de merde. Mais vous savez quoi? On le mérite. Parce qu'on propose un jeu de merde. Y'a aucun truc qui va. Rien. Que retire du match? Y'a que du négatif. Je vois pas un truc de positif. Eh, la vérité. Là, avec le jeu que vous jouez, mais vous méritez même pas la Conférence League. En jouant comme ça, wesh. En jouant comme ça, mais gâtez, on n'est même pas qualifié au 8e de finale. Eh, vas-y. Eh, vous me faites caguer. Eh, prochain match, sur ma vie,
vous avez la vérité intérêt de gagner. Parce que je vous jure que le prochain match contre Auxerre à domicile, il n'y aura pas 65 000 personnes, c'est certain. Et là, je sais même pas s'il y aura les 65 000 face à 3. Alors là, vous méfiez-vous et bougez-vous ce putain de cul.